Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc chess.com m'a complètement mis en PLS puisqu'on avait fait une vidéo sur la Coupe du Monde avec Fabien que vous allez pouvoir retrouver après l'annonce du match entre Maxime Vaché-Lagraf et Geoffrey Xiong. Mais comme ils ont changé la date du match, je suis obligé de retourner tout seul ce début de vidéo. Donc le match MVL contre Xiong, ce sera le 30 août à 18h comme écrit en dessous. Donc changement de date, hein, vous avez dit que ce serait le 31 si vous avez écouté nos autres vidéos, mais ce sera le 30 août à 18h et ce sera toujours sur la chaîne Twitch de chess.com. Donc vous pouvez te voir, hein, juste en bas en dessous de moi ici le lien, et puis dans la description vous aurez comme toujours le lien cliquable. Et donc en plus je ne sais pas avec qui je commenterai. C'était prévu de commenter avec Absol, mais avec ce changement de date au dernier moment, c'est pas sûr qu'il sera là. Alors, est-ce que je serai avec Absol? Est-ce que je serai avec David Pruès, Fabien Libizevski ou même tout seul, les mecs? Ma vie est dure. Et donc, je vais vous laisser avec la vidéo sur le prono qu'on avait fait de la Coupe du Monde avec Fabien. À tout de suite, les mecs! Ouais, donc bah sûrement l'événement de l'année, hein, échiquien. Simplement parce qu'il y a tous les meilleurs joueurs qui seront là, quoi. Oui, donc même Magnus Carlsen, qui est assez exceptionnel, champion du monde en titre, qui joue la Coupe du Monde qualificative au titre des candidats. Donc il fait partie du cycle du championnat du monde. Et il a lui-même dit qu'il jouait cette compétition parce que c'était tout simplement sa compétition préférée de l'année. Qu'il regardait lui-même la Coupe du Monde quand elle se jouait et qu'il Non, mais adorait. il y a plusieurs trucs cool. C'est le format coupe. Déjà, c'est sympa. Il y a le fait que tout va concerner d'autres joueurs. Parce qu'en fait, juste perso, moi j'en ai marre de voir toujours les mêmes tournois à longueur d'année. Tu vois, tu vas toujours les mêmes parties en fait. Ouais, toujours les Là, mêmes gros, joueurs, les mêmes ouais. ouvertures, les mêmes parties, ouais. Ouais. Donc en fait, en faisant ça, enfin, c'est cool. Mais bon, au tennis, je veux dire, tu fais un master de tennis en 20 saisons avec les meilleurs. Alors peut-être tu peux en faire deux si tu veux. Mais là, en fait, juste, il n'y a plus de. Plus rien de nouveau, quoi. On voit toujours la même chose, toujours les mêmes tournois, toujours les mêmes joueurs. Et tu fermes, c'est un circuit fermé, en fait. Et dommage, quoi. Et Ouais, là, au moins, donc, c'est bah, c'est ennuyeux non moche. seulement pour les spectateurs, mais apparemment aussi pour les joueurs, puisque Magnus, en tout cas, hein, on parle du Ouais. champion du monde, lui, il a envie de se confronter un peu à tout le monde. Et aussi, il disait Fabien, autre chose dont on a parlé, c'est que dans la chaîne, dans d'autres vidéos, c'est que t'as les parties classiques, donc t'as deux parties classiques pour se départager au début, et puis s'il y a un partout après les parties classiques, on passe au rapide, et s'il y a encore égalité en rapide, on passe Vite, au blitz. Armageddon, et ouais, ça c'est cool aussi. Et donc Magnus disait que justement ça représentait peut-être un petit peu mieux la compétence complète du joueur d'échecs. Donc on voit au début s'il est plus fort en classique, et puis sinon ça avance rapidement vers les rapides et vers les blitz. Donc évidemment tout est perfectible, hein, les formats sont perfectibles, mais c'est quelque chose qui est excitant aussi pour les joueurs, pour les spectateurs, et qui va plus représenter peut-être le niveau des joueurs encore. Bon, après il y a un petit le système loterie puisque c'est seulement deux parties, mais bon, il y a de Ouais, l'idée. mais après, tu commences sur le quatrième de finale, tu vas pas faire des matchs en 10 parties. Enfin, après, Non, on mais bon. va. Sinon, c'est genre 6 mois. Mais... Non, c'est sûr, mais bon, il pourrait y avoir plus de parties à un certain moment. Enfin, je veux dire, par là, il pourrait y avoir des discussions sur le format et tout ça. Oui, Mais genre, on peut faire un dans set l'esprit, on va dire que en deux c'est bien. lentes, 4 rapides quand même, etc. Quoi. Et Ouais. 8 blitz. Quoi qu'il en soit. Tu blisses. Et quand même, tu blisses. Même si t'es éliminé, tu blisses, dans tous les cas. Et nous, on va suivre Fabien les départages s'il y a des joueurs qui nous intéressent. Donc, Exact. les joueurs qui nous intéressent, je vais les dire tout de suite. Donc, c'est Maxime Vaché-Lagraf, Laurent Frayssinet, Étienne Bacro, donc les trois Français, les trois représentants tricolores. Murtas, bon bah Murtas, Exact. ça se passe de commentaires. Et Grichuk, l'ombre de Vlad. Donc on aura ces 5 joueurs, s'ils sont en départage, on suivra en direct. Et aussi, peut-être après Fabien, s'il y a des départages en quart de finale, demi-finale ou finale, peut-être qu'on suivra aussi. Oui, bien sûr, on verra, on s'adaptera, quoi. Mais ouais, donc c'est une question qui va être cool à suivre. Voilà, bah, comme on dit, il y a tous les meilleurs joueurs du monde, les outsiders, c'est pas des manches non plus. Donc non, ça va être excitant, ça va être sympa. Ça, on va tout de suite en parler, juste pour que les gens puissent un tout petit peu se repérer avec les départages. La compétition démarre le 3. Le 3, le 4, c'est les parties classiques. Le 5 5 septembre, départages, ouais. départage. Ensuite, 6, 7, parties classiques. 8 septembre, départage. 9, 10, parties classiques. 11, départage. Et ça suit comme ça. Donc, il y aura toujours Tous les trois deux jours, en jours. fait. Voilà, 2 jours de jeu, 1 jour de tie-break. 2 jours de jeu, 1 jour de tie-break.
Donc, alors, on va un petit peu étudier le tableau, Fabien. Le tableau qui d'ailleurs est pas très très bien, très très bien fait, faut le dire. C'est un peu la galère. Les joueurs sont pas forcément mis comme on a l'habitude au tennis. Il n'y a pas forcément écrit à quel moment du tournoi on est. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Donc, on est dans la partie en haut à gauche du tableau, Fabien. Ouais, donc ça c'est le genre qui pourront se retrouver en quart de finale en fait. Ouais, là on a un quart de finale. Et c'est vrai que quand on regarde les tableaux de tennis, c'est un peu plus logique, t'as une tête de série en haut, l'autre tête de série en bas, et puis même dans les cartes tableau c'est comme ça. Donc pour qu'ils se retrouvent en quart de finale, là non. Bon. Non, là, oui, Mais là, on a la bon, ils vont tête se de retrouver quand série même. numéro 8 quelque part et la 5 autre part. Bon, c'est. Donc, partie tableau Et Carlsen. donc, ouais, et Carlsen et MVL du coup, donc qui logiquement doivent se retrouver en quart de finale, si la logique est respectée. Après, il y aura des matchs chauds. Bon, on va dire, ok, au premier tour, Carlsen joue contre le plus mauvais joueur du tournoi, donc je sais pas d'où il sort, j'imagine c'est un joueur, vu Du son prénom africain. continent africain et qui représente Ouais. le continent africain, qui est, je crois, classé 2270. Donc, ça devrait être une formalité pour Carlsen, mais là encore, c'est aussi un petit peu le charme de la compétition, Fabien. Non, mais ça c'est cool. Non, mais bien sûr, c'est bien quoi, que bah, le joueur ça lui permet de jouer Carlsen, c'est beau. Et puis c'est normal, c'est un championnat du monde, enfin une Coupe du Monde quoi. Donc que tu invites un peu les joueurs du monde entier, c'est normal. Après il y a des quotas, donc il y a plus de joueurs européens, etc. Mais très logique quoi. Non, et puis très sympa de voir aussi comment Carlsen bat un joueur à 2003. Je veux dire, on ne voit jamais Carlsen contre un joueur à 2300. Donc ça permet d'un petit peu voir, de mettre en relation un petit peu la différence entre Carlsen et un joueur de mon niveau, par exemple. Ouais. C'est. Enfin Et voilà, puis c'est. bon, après, hein, c'est l'histoire, quoi. Tuzan est arrivé à battre Anand au premier tour comme ça. Ouais, ah Bon, il avait bah. perdu le match quand même, mais il menait 1-0. Oui, enfin, Olivier Tuzan avait battu Anand, exactement. Donc c'est tout à fait possible. Sur une partie, tout peut arriver. On peut être champion du monde, on peut quand même tomber contre un joueur à 2300. Tu peux ça mettre en un, qu'est-ce que je te dis? C'est la vie, quoi. Enfin, comme si en boxe, tu mets ton combat, puis je sais pas, tu baisses ta garde, poum, tu te prends un KO. Enfin, ça Ça peut toujours arrive. arriver, hein, enfin. C'est rare. Et dès le deuxième tour, Fabien, il jouera un joueur qui a des, certes, micro-chances, mais qui pourra déjà lui poser des problèmes, puisqu'il rencontrera le vainqueur du match Dreyev contre Barman. Donc Oui, mais Dreyev, ça, c'est déjà 26-50, quoi. qui est un très bon joueur russe, enfin Ossiet pour être exact, puisqu'il est Ossiet, Et à Barkman, l'Ukraine, paraguayen. paraguayen, ouais, un joueur paraguayen. Donc là, on est autour de 26-50, et c'est un quart de tableau qui va particulièrement nous intéresser, puisqu'on voit Étienne Bacro qui vient d'être sacré champion de France. Ouais, c'est tout frais. C'est tout frais, ça vient de se passer là au moment où on tourne la vidéo, et il joue contre Alexander Fyr. Voilà, Alexander donc Fyr, donc. qu'on connaît un peu, qu'on a déjà vu dans certaines vidéos, avec son milieu du Brésil. Ouais, donc peut-être possibilité de Ruiz, alors là on ne sait pas. Et joueur brésilien et joueur dangereux des premiers tours, déjà piège pour Étienne. Bah, c'est dangereux, Fier, il joue pas mal. Il est bien préparé, en rapide, il est pas mal. Après, bon, Étienne, c'est au-dessus, mais il n'y a pas vraiment de marge, quoi. Donc après, il pourrait rencontrer le vainqueur Ouais, de but contre Flores. Bus c'est fort quoi. Enfin, c'est pas un tirage simple pour Étienne ensuite. Hein. Enfin, déjà, faut passer Fier, qui est pas simple déjà de base, mais je pense que Bus devrait se qualifier contre Flores et c'est pas simple. Alors, donc ça, c'est un premier 16e, hein, qui pourrait se profiler. Ce sera un beau Ouais. match, hein, Étienne contre Carlsen. C'est vrai que ce serait une belle affiche. Ensuite, on a un autre petit groupe, hein, avec Zwidler, qui fait office de favori dans ce petit groupe, mais qui pourrait se faire surprendre, surtout qu'il y a la tête de série numéro 17. Donc en fait, tu vois, ils les ont un peu cadrés comme ça, le 16 avec le 17 qui peuvent se rencontrer. C'est pas comme au tennis où il y a un certain hasard, en fait. Eux, ils ont vraiment fait les Mathématiques, quoi. Enfin, mathématiques, en fait. Alors qu'au tennis, ils les mettent dans les coins, et puis après, pour les joueurs intermédiaires, il y a une part de hasard. ouais, pour jouer le 16e, tu peux jouer le 25e, quoi. Ouais, alors que là, il y a pas de hasard. C'est tout. C'est Ouais, bien sûr. tout café. Donc ça, c'est pas mal Et. quelque part, mais d'un autre côté, ça rend le tableau, hein, assez difficile à lire. Surtout qu'on voit pas Ben après en fait, le tour. ok, c'est très dur cet endroit-là, parce que tu pars un 16e, Zidler-Wojtasek, c'est ce qui paraît plausible sur le papier. Bon, je sais Après, qui. t'as Amine, hein, qui on en a parlé il y a pas longtemps, qui passe quasiment 27, 99. Donc même lui, c'est pas un cadeau, quoi. Tu vois, Et quand tu retires il le vient de tableau, il gagner à devait Abu être Dhabi. beaucoup moins, mais ouais. Et Mais ouais, Wojtasek, même pour Carlsen, ce serait pas un cadeau. Il vient de gagner le tournoi de Dortmund. Si je ne m'abuse, il est chaud patate. Bon, il a fait nul contre moi en championnat d'Europe. Donc le mec, bon, déjà, il a des références.
Et à montrer que. Ouais. Et à montrer, ah, en moins de 14, je sais plus si c'est Story en of moins de Stalker 16. F. Et genre, ouais, fait nul. Donc là, on voit de grosses références. C'est un peu l'épouvantail du tableau, je dirais. Surtout que t'as MVL après qui m'a même battu, tu vois. Donc c'est vraiment un quart de tableau très compliqué. En fait, t'es la valeur étalon, quoi. Je suis étalon, ouais. Je suis Donc, étalon. du coup, MVL, gros favori de ce garde tableau. Mais même, tu vois, t'as un mec comme Jerebourg, quoi. Toi qui reviens des États-Unis ou Ouais. Onichuk peut être dangereux aussi. Enfin, Ah non, mais ils sont pas mauvais. c'est une partie de C'est. tableau où il y a un favori qui, il y a deux favoris qui se détachent, Zwidler et Wojtasek, mais il peut y avoir des surprises dans cette partie de tableau. Donc en dessous, Et en dessous, bah, c'est le côté Maxime. c'est Donc, notre premier partie de tableau. tour, ça va. Je sais même pas qui c'est, son adversaire. Bon, Mais ça du devrait. coup, c'est bon signe pour lui, si je ne sais pas qui c'est. Après, Ensuite, bah déjà, Gratchev, hein, pas mal. Enfin, même Gratchev Mekounov, dangereux. En plus, il est bon en rapide et en blitz. Gratchev, il est assez connu à Moscou pour être un excellent blitzer. Donc, il est très dangereux hein, dans ce format coupe. S'il fait deux nuls en classique, après, c'est chaud. Melkoumian aussi, d'ailleurs, hein, peut être dangereux. pas mal. Ouais, Mekounov, ça joue pas mal. Après, ok, bon. Maxime, c'est plus fort que Melkoumian, clairement. Hein, Et après, il peut se taper Ilianov, Ouais, qui était éventuellement. la révélation de la dernière Coupe du Monde, hein, qui est allée jusqu'en demi-finale. Ouais. Donc, pas facile le tableau de Maxime. Tableau Si tu difficile. prends. Premier tour, ça va. Mais après, déjà, bon, je sais pas si ça va bien ou Gratchev, mais Gratchev fait encore plus dur. Et Elianov au troisième tour, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Et regarde qui peut prendre en huitième. Et le huitième, c'est Sacha. Ça peut être Donc, c'est terrible. Grishuk. Hein, et ça se finit par Carlsen en quart. Donc, c'est un parcours du combattant, quoi. C'est une partie de tableau très difficile. Grichuk, un Londres de Vlad, on va peut-être un petit peu s'arrêter dessus. Bon, il joue un joueur Elgindi, bon, qu'on ne connaît pas forcément. Il est égyptien, lui. Égyptien. Bon, normalement, il devrait passer. Mais deuxième tour aussi, on voit, hein, pour tout le monde, ça peut être difficile. Il peut déjà prendre Gawen Jones. Ouais, Donc, très très dangereux. dangereux. Ou même Corey, hein, joueur péruvien, si je dis pas Non, de c'est ça, bêtises. qui était grand maître très jeune. J'ai croisé très souvent dans les tournois, dans le circuit catalan, en fait. Il joue depuis hyper longtemps. Mais en fait, c'est ce genre de joueur, en fait, ils font que jouer. Enfin, déscolarisé très tôt. Peut-être grand maître à 16 ans ou 15 ans, je sais même pas très quel âge. Donc, talentueux et tout, mais. Peut-être ça a manqué de boulot à un moment, tu vois, Ouais, pour pour arriver à l'école du vraiment, ouais. 7 et tout ça. Mais bon, bien sûr, sur deux parties, tu sais pas, quoi. Mais ok, disons que Gretschow, je ne me fais pas trop de soucis pour lui pour passer ses deux tours. Bah, après, il y a peut-être Navara qui se profile. Bon, on l'a vu dans le tournoi, dans la Sinqueville Cup, hein, le rapide, avec Gary. Et là encore, c'est dangereux. Opiniâtre Navarin, quoi. C'est Non, dangereux. mais. Il est fort, Navarre, bien sûr. Mais Grichuk, à vrai dire, je vois son tableau plus simple que celui de Maxime. Enfin, jusqu'au 8e. Après, bien sûr, il se rencontre. Mais ça m'a l'air moins dangereux, tu vois. Ça, c'est Gratchev, ça m'a l'air plus chiant. Et Ilianov aussi. Enfin, Ilianov, ça dépend de sa forme. Mais si tu te prends le Ilianov de la dernière Coupe du Monde. Non mais je trouve dans cette partie de tableau que c'est Maxime qui a le tableau potentiellement le plus difficile, vraiment. Parce que Ouais. Gratchev, Elianov, Grichuk Et Carlsen, et quoi. Carlsen après, ouais. Donc c'est vraiment la partie de tableau, et même pour Carlsen, hein, il a une partie de tableau certes un peu plus facile, mais il aura un quart de finale forcément très compliqué. Même prendre Wojtasek en huitième, et bon. Toutes les parties de tableau sont difficiles, mais je dirais que c'est celle-là la plus difficile et c'est là qu'il y a Maxime. Donc on rappelle, hein, faudra arriver jusqu'en finale pour Maxime pour se qualifier Pour les pour les candidats, hein, candidats, puisque lui. dur, hein, d'aller se qualifier, quoi, à ce tournoi. On regarde un peu la deuxième partie de tableau, Ouais, non? bien sûr. Ouais. Donc on Donc, regarde la partie de tableau avec les joueurs qui pourraient retrouver bah, tout simplement Fabien en demi-finale, donc avec Vladimir Kramnik. ouais. Donc, il commence à lui aussi contre un joueur qu'on ne connaît pas forcément. 120, tête de série Ouais, je sais 125. pas qui c'est. Ouais. Et après, il pourrait jouer déjà soit l'Ukrainien, Areshenkov. Je pense que c'est Arashenko ou ton Temchenko. coéquipier, non? Exact, ouais, à Grasse. Donc, il est autour de 2700. Hein. Donc, oui, dès le deuxième tour, ça fight. Hein. Ou Demchenko, Mais. le spécialiste de l'italienne. Ouais. Mais ok, Kramnik quand même, c'est au-dessus quand même. Là, bon, c'est tour, ça va. Après, dès le troisième tour, Ah bah là, il peut prendre si. l'épouvantail du tournoi. Épouvantail Murtaz. Les talons. Donc, Murtaz qui joue contre Ivanchuk au premier tour, donc ça va être sympa. Ouais, ça, franchement, ça me fait rêver. Cette affiche-là, c'est vraiment l'affiche qui fait rêver pour le premier tour. Murtaz était super content de jouer contre une légende du jeu d'échecs qui respecte beaucoup. Et enfin, je sais qu'il est très heureux. On espère vraiment, Fabien, qu'il réussisse à l'éliminer. Ouais, ah, ce serait un bel exploit, quoi, quelque part. Et après, il pourrait jouer contre le jeune Murtaz, Duda, Jean-Christophe Duda, dangereux, ou Pansoulaya, mais plutôt Duda quand même qui devrait se qualifier. ouais. Ouais. Après, tu sais jamais, Pansoulaya, c'est le Baki
fait, il est un peu la même tête qu'Étienne, c'est pour ça que je dis ça. C'est le Becky géorgien, quoi. Très, très créatif, il est capable de tout. Mais bien sûr, Duda plus fort en général, mais voilà, sur un match, je serais moins affirmatif, même si Duda vient de franchir la 2007 quand même, hein. Non, ce serait vraiment fantastique si Murtaz, franchement, je sais que c'est un de ses rêves et ça me ferait trop, 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 trop plaisir pour Murtaz. Je sais qu'il regarde cette vidéo, donc Murtaz, double pouce vert pour toi. Tout Allez, pouce bleu. Murtaz! Tout le monde met les pouces bleus. Allez, on envoie des pouces bleus à Murtaz. Pouce bleu, on en envoie de partout. Et je serais trop heureux s'il pouvait jouer contre Kramnik. Enfin, ce serait juste fantastique. Ce serait un Ouais, rêve. en plus ça voudrait dire passer déjà 2 tours, donc déjà cool. Et bon, après, s'il passe Kramnik, après, Ouais, bon. on lui fait des statues. On lui fait une statue, après il passe Guiri, puis après il passe tout le monde. Donc, quand même, une partie de tableau, bon, un peu. Enfin, on sent que c'est quand même un peu moins fort, hein, puisque de l'autre côté, il y avait du Carlsen. Bon, Kramnik, machin, Murtaz, bon, c'est fort, mais un peu moins. Guiri après. Ouais, bah Donc, Guiri pas mal quand même. qui est quand même gros favori de cette partie de tableau. Bon, il faudra Ouais. faire attention, Fabien. On va passer un peu rapidement, parce qu'il y a moins de Français là. Ouais, mais Guiri, toujours dangereux dans ses formats. Il avait éliminé Maxime d'ailleurs la dernière Coupe du Bah, Monde il est en solide quart. et il est bon en blitz, Guiri. C'est ça, donc dur à éliminer en fait ce genre de joueur. Mais donc, ouais, pour passer vite quand même, ça pourrait être donc Kramnik ou Guiri en quart de finale contre. C'est quand même Attention assez aussi à Hari fort, quoi. Krishna, hein. Attention à Hari Krishna aussi. Ouais, bah, okay, c'est. Oui, bien sûr, faut toujours faire attention à tout le monde, mais un peu moins fort, quoi, Krishna, je veux dire. Contre éventuellement Levon. Ouais, contre Aronian ou Raji ou Karjakin. Pff, pas mal. Rajabov, ouais, il y a Karjakin Et aussi. Karjakin qui est là. Non, mais on voit aussi quand même, c'est fort le tableau. T'as Andreïkin dans le tableau. T'as un Ouais. huitième de finale, Andreïkin Aronian, Vinay, quoi. Mais tu pourras avoir du Andrekyr Aronian, tu pourras avoir du Karjakin Rajabov en bas et du Murtaz Guiri en haut. Voilà. Donc Ou ça pourrait. Kramnik si Murtaz c'est un accident, quoi. Ouais, si Murtaz a un accident, ça pourrait être du Kramnik, mais sinon le quart de finale, ça devrait être, on va dire, Karjakin Murtaz. Et donc après, ce serait Murtaz qui se dresserait devant Maxime. Donc Maxime, Voilà. vraiment, est vraiment à partie de table horrible. Il peut prendre Murtaz Épouvantail. en demi. Tu bats Grichuk en huitième, tu bats Carlsen en quart, et oh non, Murtaz en demi, quoi. Là, enfin, t'arrêtes les échecs. Non, mon tableau est trop difficile. Je ne peux plus. Donc ça, c'était le. Voilà, donc c'était cette moitié de tableau. On va aller voir l'autre moitié de tableau. Alors, Et on donc, va. comme vous l'imaginez, ça va être aussi assez fort. Mais c'est fort de partout après. Donc là, Ouais. c'est la moitié de tableau de Wes Lesso. Donc Wes Lesso qui est en petite forme. Donc quelque Oui. part tête de série numéro 2 parce qu'au moment où on a fait les appariements, il était numéro 2 mondial. Mais quelque part dans les grosses têtes de série, c'est celui qui a le plus chuté. Ouais, il peut se faire sortir. Ouais. Et après, on voit qu'il peut avoir un huitième contre Naka, quoi. Contre Naka ou Nepo, c'est même un 16e, non? Nepo contre un 16e contre Nepo, ça Ouais. peut être très chaud vu la forme des joueurs. Ouais. Et après, il pourrait y avoir du Naka qui se profile. Mais bon, je sens moins de, tu vois. Ouais, mais t'as pas dur, tu sais jamais, quoi. Ouais, bah dur T'as complètement fou, t'as Tomaszewski, Tomaszewski, ouais. c'est toujours chiant à jouer, Tomaszewski. Dur à battre. T'as Bayerros, t'as Lantieux, t'as le jeune Blue Baume. Ok, enfin, Mais c'est pas ouf, hein, qui t'as saute Naka, au-dessus, faut. mais ok, T'as Anand aussi dans et. la partie de tableau de Naka. Ouais. Ouais, Anand bah, sur une compétition comme qui. ça, il peut être très dangereux. Bah ouais, parce qu'il est tout terrain, t'as Adams, enfin, t'as des joueurs pas mal, hein. Après, bien sûr, Adams, on le voit pas aller au bout, mais bon, sur un match, il peut te sortir n'importe qui, quoi. Bon, mais Anand en plus, on voit qu'il choisit un peu ses compétitions maintenant. Et là, comme c'est qualificatif au candidat, Ouais, et ça peut l'exciter, quoi. c'est un objectif, ça peut l'exciter. Donc, à mon avis, Anand, tu sais, c'est un peu comme Arantemensis. Non, c'était. Oui, c'est Arantemensis, les candidats qu'il a gagné. J'étais sûr qu'il gagnerait jamais en fait. Je me dis, ok, c'est pas possible, il vient de perdre le match contre Oui, contre Carlsen. Carlsen, du coup démotivé, il va arrêter. C'est ce qu'on se disait tous, quoi. Enfin. Et tout d'un coup, le retour du tigre. Tigre du Non, mais quand Bengale. il. En fait, c'est vrai qu'il a une forme fluctuante, mais quand il joue bien, il joue vraiment bien, quoi. Donc, il peut être très Il dangereux en peut. plus. Ouais. Bon en rapide, bon en blitz, il peut être dangereux. Attention, Nakamura quand même fait office de favori, je dirais, dans cette partie de tableau. Je pense que Nakamura, Oui. c'est le plus fort. Ouais, peut aller on le voit aller donc vers l'écart. Après, t'as le petit Adiban aussi qui peut être dangereux dans cette partie de tableau. Ouais, Non, mais moins fort, mais ça peut être la surprise dangereux un peu à la dangereusement, Ilianov. mais je le vois pas passer tous les tours non Non, plus au quart. en plus, mais tu vois, ça peut être chaud, parce que Yann contre Palace, après, il peut directement prendre Adiban, parce que Yann, ça peut être aussi un gros morceau.
Et après, il peut prendre Yu Yangi. T'as du Yu Yangi, quoi. Ou du Jo Baba qui peut être complètement fou. Enfin, c'est chaud. Non, mais c'est hyper dur. Enfin, dès le deuxième tour, t'as des chocs de ouf, quoi. Et ça va être fantastique à suivre hein, comme compétition. Et donc, la dernière Et partie de tableau qui va nous puis intéresser un peu plus quelque part, puisque là, on va retrouver un Français. Donc là, on a vu la seule partie de tableau où on n'a pas vraiment de joueurs. On ouais. voit. Et là Et encore, hein. bah là on a la fraise, donc bah c'est le tableau de Caruana en fait. Donc Caruana qui joue contre Solomon, le joueur sud-africain au premier tour. Donc bon, ça devrait le faire pour lui. Et Laurent qui a un match bah, pas évident contre Lenich. Ça va être tendu contre Lenich. Ouais, après, ok, je dis à Laurent léger favori quand même. Ouais, Laurent, il a un petit classement elo entre guillemets par rapport à sa valeur et donc il n'a pas forcément une grosse tête de série. Il n'est pas protégé, mais il est sous-classé. Enfin, et Laurent est. Bah, c'est un très bon joueur, quoi. Je sais Que d'ailleurs ce soit en que partie lente ou en rapide ou quoi. Lucas Lenich, c'est un de nos collègues puisqu'il fait des streams sur Twitch de temps en temps. Ah. Donc, un J'avais joué contre collègue. lui hyper longtemps. Ouais, 2004, je crois. ce sont des tortues ninja en fait. Ils sont 5 ou 6 à faire des streams et ils s'appellent les tortues. Donatello, Raphaël et ça. Nous on est super nuls. Maître Splinter. Ouais, oui, c'est peut-être lui Maître Splinter, mais il y est aussi dans leur groupe. Enfin, c'est assez marrant. Donc, quelque part, c'est carrément nos vrais collègues hein, avec les super-héros, les costumes et tout ça. Après, bon, on va un petit peu descendre. Alexandrov, quand même, copain de Vlad. Donc, Ouais. toujours à noter, hein, quand tu connais Vlad, il y a une espèce de chape de plomb. Et là, Donc du il pourrait y avoir un match très alléchant, Fab, au deuxième tour entre Wei et Richard Rapport. Ah ouais. Et ça vaudrait son pesant de cacahuètes au deuxième tour. Pas mal, pas mal. Ouais, non, mais en fait, on le voit, il y a des grosses affiches dès le second tour, un hein, de partout, quoi, possible. Enfin, Et. Wei Rapport, ça pourrait envoyer du très lourd tactiquement. Et surtout que le vainqueur de ce match-là pourrait jouer Li Chao. Et Ah, Li qui Chao, est chaud. ça envoie du pâté aussi. Le joueur chinois qui est spécialiste des Open, hein. Ouais. Li Chao. Ah ouais, qui joue sans compromis, quoi, il t'envoie tout. Enfin, oui, il peut jouer des finales, mais il s'en fout, mais il joue tout pour le bien, quoi. Il est là. Il joue toujours à fond. Et donc, il pourrait retrouver tous ces hommes-là en quart de finale. Donc, ça pourrait être un Caruana Mamedyarov. Mamedyarov, qui, on l'a vu hein, dans les derniers tournois, c'est peut-être, enfin, il fait partie de ces joueurs avec Aronian, Mamed, qui remontent vraiment vers la Ouais. deuxième place. Et donc, c'est un gros, gros, gros morceau, Mamedyarov, et qui aura un tableau peut-être un petit peu ouvert au début. Je sais pas, Kuzubok, Jigalko. Je pense qu'il pourrait. Non mais ok, c'est sûr qu'il est plus fort que. Mais juste Kouzoubov? Ouais, non mais ok, il est au-dessus normalement. Non, mais je sens un tableau assez ouvert en fait, côté Ouais. Mamedyarov, parce que tu vois, on voit pas de. Ouais, bon, t'as Gelfand qui est pas mal, mais c'est bon, c'est vrai que c'est plus le Gelfand forcément de ces jeunes années. J'avais fait une vidéo sur la chaîne, une partie Mamedyarov où il avait juste matché Gelfand. Ouais, je me souviens. Et tu vois, il y a pas de. Bon, il y a Kovalenko, C'était mais. à Vishkanzi, non? Pendant que je tombe au Maroc, il me semble. Ouais, il y a peut-être le Kongley qui peut être. Mais t'as Dingo, quoi, Ding Liren. Ouais, Ding Liren, ouais. C'est vrai que je l'avais raté en regardant. Ding Mais Liren et le. c'est vrai que le tableau là fait moins peur. Enfin, Mamedyarov, tu te dis, normalement, s'il en forme, il va en quart, quoi. Enfin, ça dépend un peu de lui. Alors que c'est pas comme d'autres, quoi. Bah en fait, quand tu regardes, par exemple, tu compares avec le tableau de Maxime qu'on Ah avait, enfin non, je te dis, il va en c'est. quart. C'est vrai qu'il a un huitième comme contre Caruana, enfin, 2 minutes, quoi. Mais bon, ok. Oui, il a l'huitième contre Caruana. Mais bon, il se prend pas l'espèce de triptyque. Ou même Carlsen qui va peut-être se prendre Vojtasek. Bon, après, on sait pas, il y aura peut-être des surprises. On a essayé de vous faire ce petit teaser pour la Coupe du Monde, voir un peu les joueurs. Ça a duré un petit moment, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Quel est votre favori, tout ça, quoi? Ouais, quel est votre favori? Et puis bon, bah, on suivra les départages. Donc, on a, hein, je répète, nos cinq chevaux. Donc, Maxime, cheval numéro 3. En termes de force, Murtaz, bon cheval numéro 1, Grichuk numéro 2, ou Maxime numéro 2, Grichuk numéro 3, à voir. Lequel est le plus fort? Bon, Murtaz, clairement, hein, grand favori de la compétition. Et Bakro, Étienne ou Laurent Oufresse, Frayssinet, qui peuvent, ma foi, ben, Étienne, s'offrir un beau match de gala contre Carlsen, en tout cas, on l'espère. ouais. Ouais, on espère. Ça, c'est toujours possible. Après, tu peux aussi te faire éliminer bêtement, et c'est la vie, quoi. C'est très très dur de savoir, en fait. Mais ça sera hyper intéressant à voir. Chaque jour, des gros affrontements, des belles parties, des départages, des Armageddon. Ça va être chaud, quoi. Eh ben écoute Fabien, je dis à tout le monde à très bientôt.
Ciao! Ciao!